Alors, le Challenge Voile, bah, c'est tous les ans une super occasion de faire la fête. Et à chaque fois plus de monde, ça prouve bien que quand on y vient, on y retourne. C'est la première fois que je viens au Challenge Voile. Je découvre aussi un petit peu l'ambiance et c'est vrai que tout le monde a l'air d'être détendu. Là, tout le monde est là pour passer un bon moment, ça se sent, et vraiment une belle convivialité. On est des étudiants de l'ESSI GELEC, c'est une école d'ingénieurs à Rouen. On a gagné un défi à un stand Safran et du coup ça nous a permis d'être là aujourd'hui. On a rencontré plein de gens sympas et tout, l'ambiance sur l'eau elle est géniale. En même temps, l'esprit sportif, une manière qu'ont les gens de, à la fois de défendre les couleurs de leur société, mais aussi de partager un moment amusant, dans la détente. On a un skipper d'enfer. On a content. Là, j'ai un équipage au top. C'est un très bon cru parce que je crois que c'est la première fois qu'on est aussi nombreux. Safran University, c'est le leadership modèle, l'exemplarité, l'esprit Safran. Et c'est tout ce qu'on retrouve sur notre bateau. Et le challenge voile en général. On a gagné ! On a gagné ! C'est la première fois pour moi que je participe au challenge et que je faisais du bateau. Donc c'est très sympa. Ce que l'on ressent beaucoup grâce au Challenge Voile, c'est toute cette population de personnes qui se retrouvent autour d'une passion partagée, mais aussi qui ont une même passion pour le groupe Safran. Team Sagem Avionics from Dallas, Texas. It's great to meet all the different people from all these different companies, you know, we would never meet otherwise. Représentation du site de Snecma. Il y a des bureaux, il y a l'usine, tous ensemble sur le même bateau. Pas pour gagner, mais pour participer, parce que c'est sympa. À l'année prochaine.